à dextérité du pilote, allié à, allié justement à la diction du copilote sur les notes, qui fait que l'ensemble te donne un bon résultat. Tant que le copilote il bafouille pas, c'est bon. J'avais dit la diction du copilote. Donc c'est l'ensemble des deux. La collaboration entre les deux, l'alchimie entre les deux qui fait que... J'ai toujours dit, en rallye, pilote et copilote, il faut que ce soit symbiose, sinon ça marche pas. Le copilote donne la note. En avance, le pilote lui, et qui ne répète pas, le pilote lui va retenir la note, mais va pas retenir cette guerre. Il faut vraiment que ça marche au tempo, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne cadence, comme il dit, soit on commence sur le tempo régulier, soit on commence sur le tempo un petit peu plus rapide au début pour le mettre en jambe et puis plus lent sur la fin, juste pour le calmer, mais ça dépend, tout dépend du pilote et de l'affinité qu'on a avec. Okay. S'il n'était pas bon pilote, je pense qu'il pouvait passer en tête certaines choses. Pour le véhicule qu'il a, il a des capacités, je lui ai dit, c'est pour ça que je suis venu avec lui, c'est parce qu'il a des capacités, que c'est que en mettant toutes les bonnes conditions bout à bout, il fera de bonnes performances. Donc là maintenant, il le voit, il commence à le voir les performances. Ça vient tout seul. Tu vois, Alexis, avant, t'étais collé là. Ouais, 10% d'inclinaison, 1 km à 1 500 km, ça dépend. Une cause de côté régional, il dit n'importe quoi, il ne sait pas, il ne sait pas. Donc, écoutez pas. C'est d'un point A à un point B dans le moins de temps possible. Ouais, voilà, ça c'était l'explication. Je vais le dire en français. Cause de côte, on fait 5 montées chrono. On fait 2 en essai et on en fait 3 qui sont chronométrées officiellement. Les deux premières ne comptent en rien. On a fait 3 ensuite et le meilleur temps est gardé, d'où le classement général. C'est ce qu'il voulait dire mais qui n'est pas arrivé. Voilà. Bon, à qui de jouer là? C'est à toi. Merde. Mais non, t'as pas joué toi. Chier. Bon. Donc comme tu avais... C'est pas dur à retenir. Par contre, non, mais tu viens de la 7 km, il y a beaucoup plus de virages, donc il y a beaucoup de virages à retenir. J'ai passé tous les jours dessus. Je suis dit, c'est fini.